Bah, les amis, j'ai pas trop le temps. Je suis donc n'hésitez pas à liker, partager un maximum parce que sinon ça va être chaud patate. Je suis avec plein de personnes ici présentes dans les cachots, ce qu'ils appellent les cachots, en arrestation administrative. Voilà. Après, je sais pas pour combien de temps on va être dans les cachots. Mais voilà, on a été en arrestation administrative. Et c'était pour vous montrer à peu près, on a été arrêté à peu près vers 15h vers le Parlement. Après voilà, on était en mode touriste et ils arrêtent, c'est des arrestations abusives et en masse, des personnes qui sont tout seules ou qui sont à deux. Voilà, nous on n'était que deux personnes, ils arrêtent n'importe qui, n'importe comment, c'est un truc de fou quoi. Je vous montre derrière moi, mais je ne veux pas montrer les gens qu'on ne voyait pas leur visage, en fait, tout simplement. Il y a même des Bretons avec moi. Vous ne voulez pas vous montrer, les Bretons? Non. Il y a même des Bretons avec moi qui sont présents. Voilà. Viens, parce que sinon, on ne sait jamais si le live il pète. Voilà, j'ai même retrouvé un Breton en arrestation. Voilà. Salut la Bretagne, voilà. Salut la Bretagne. Donc voilà, les amis. Hey, ici, c'est pas comme en France pour la garde à 20, c'est tranquille. Hein. On va pas dire que c'est le club méditerranéen. Non plus. Mais en fait, c'est une arrestation administrative. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons été suspectés parce qu'en fait, ils ont entendu les Gaulois qui arrivent. Ouais. Ils ont dit, les Gaulois, et bah du coup, au cachot, parce qu'ils ont dit, bon bah on va tout casser, alors pour éviter qu'on casse tout, ils nous ont mis en arrestation administrative, c'est-à-dire qu'on est bloqué là, le temps que dehors ça partit. Et dès qu'ils voyaient un petit groupe ou quoi que ce soit, voilà. Ce qu'ils faisaient, si jamais on se faisait arrêter une première fois, ils nous prévenaient, ils faisaient un contrôle de carte d'identité, et ils nous disaient, si on vous retrouve sur un lieu qui est interdit, voilà, vous risquez d'être embarqué. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà les amis, donc partagez un maximum ce live, likez-le, partagez-le plutôt autour de vous. Je vais m'arrêter, je ne vais pas vous parler pendant une heure, ça ne sert à rien. Et si je peux continuer de garder mon téléphone, voilà. Bon, en tout cas, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Je suis avec trois personnes autour de moi, enfin, qui font partie de mon groupe, avec qui je suis venu réellement, avec qui je suis, qui vont bien, qui sont dans une autre cellule, puisque c'est des femmes, ils ne mélangent pas les femmes et les hommes. Mais voilà, normalement, ça se trouve, on va peut-être rester 2 heures. Le maximum qu'on peut rester, c'est 12 heures. Si on reste 12 heures, on a été arrêté à 15 heures, ça fera 3 heures du matin. Mais a priori, dans 2 heures, on est sorti. C'est ce qu'il y en a plein qui disent ici. Voilà. Et après, les forces de l'ordre, elles sont complètement perdues. Ils ne savent pas ce qui se passe, même ici, ils ne savent pas faire. Ils sont à la rue complète. Voilà. En tout cas, voilà les amis, vous avez voilà, trop d'arrestations abusives et sans... Je ne sais même pas quoi dire, c'est de l'arrestation abusive, il n'y avait pas de manifestation puisqu'on ne pouvait pas aller manifester. On se baladait dans la rue et paf, même de te promener, faire le tourisme, paf, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes ici présentes pour rien avoir avec les manifestations, ça c'est une certitude aussi. Voilà, bon les amis, je vais couper le live, on se retrouve plus tard. Des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vous inquiétez pas pour moi. Des bisous et partagez un max. Ciao. Mettez contraire.